Et salut à tous et à toutes et bienvenue sur ce bon plan touche Humbundle et le Humbundle Store. Alors désolé si vous voyez toujours mon petit carré jaune qui apparaît, c'est pour ma liberté. Humbundle offre Tropico 4 pendant encore, vous voyez, un peu plus de jours, maximum 2 jours. Sachant qu'il faut l'activer sur Steam et il y a une date limite d'activation, donc pensez à pas le prendre si vous l'avez déjà. Sauf si par exemple vous faites comme moi, balancez le code sur Twitter, peut-être que quelqu'un le récupère. Donc c'est vraiment un bon plan, il est en free, pensez-y. Mais pas que, il y a évidemment des soldes. Alors vous voyez qu'il y a certains jeux qui ont marqué un petit peu cette année, comme par exemple Super Shot ou alors la correction Remasterizy. Voilà, j'ai un peu passé les choses et je suis plutôt revenu au début. Bon, alors vous avez Tropico, vous avez Doom à 60% si vous êtes le Model Monthly, vous avez donc Tropico 4. Vous avez Stardew Valley qui va être à moins 30%, ce qui est cool. Vous avez des jeux comme Soma, vous avez aussi des bundles, des Starbound, voilà, que je cherchais moi à 15%, donc là je vais sans doute le récupérer. Des bundles, des paradoxes, je vais revenir sur ça. Ça permet par exemple, quand il y a pas mal de DLC sur des jeux, de récupérer des choses qui vous intéressent. Donc voilà, notamment par exemple pour les paradoxes, vous voyez tout ce qui est City, Skyline, ou alors Crusader, ou alors. Europa Universalis ou alors Hearts of Iron, ça peut être pas mal. Bon, vous avez des jeux comme Faster Than the Light qui sont pour une bouchée de pain, Game of Thrones que je suis en train de faire, du Oxenfree qui est très très bon, voilà, c'est un jeu que j'ai conseillé, du Dragon's Dogma aussi qui est très 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 bon en promotion, et je vous rappelle il y a toujours la synergie de 10% en plus du Darkest Dungeon à 50%, ce qui est pas négligeable, hein, si vous l'avez pas eu. C'est un des jeux que j'ai conseillé, évidemment, Legend of Grimrock, du Endless Legend, qui est un jeu 4X touche française très sympa, du Trine, évidemment, du Limbo, pour une bouchée de pain aussi, du Super Shot, mais je l'ai déjà dit, du Offworld Trading Company, qui est un jeu fort sympathique sur la gestion, vous pouvez vous faire virer, et vous travaillez pour des compagnies très sympas, du Verdun, très très bon aussi. Pour ceux qui sont Dungeon Keeper, du World of the Overworld, du Shadowrun, voilà, du classique que certains connaissent peut-être, du Homeworld remasterisé qui est très très bon, du Torchlight pour 2, pour une bouchée de pain aussi, du Rocket League en DLC, du Under Rail pour les gens qui adorent les Fallout, les version de Endless Legend en meilleur. J'ai trouvé qu'il y avait différents, quoi, d'autres petits éléments, hein, mais bon là vous voyez que je descends un tout petit peu. Le Homeworld Deserts of Karak, si vous aimez Dune, si vous aimez Dune 2, si vous aimez les jeux en RTS stratégie dans le désert, faut le faire. Je suis en train de le finir avant mon test, mais vraiment c'est un des jeux RTS un peu cher, mais très très sympa. Bon voilà, hein, y a différents vraiment choix, du Rocket League en DLC évidemment. J'ai trouvé qu'il y avait du Colonisation, qui est un vieux jeu mais qui est très sympa à voir si vous aimez tout ce qui est civilisation. Voilà, vous avez aussi Phantom Brave que je me suis pas arrêté. Du Sidemeyer Pirate Gold Plus, voilà. Vous pouvez récupérer, ce sont des clés Steam, hein, je précise. Du Eve Online, si vous êtes fan de Eve Online, vous voyez qu'il y en a pas mal. Puis, je crois que je me suis arrêté ici pour ces choses. Alors, c'est jusqu'au 12. Il y a des mises à jour régulières. Donc, voilà, il y a des compteurs. Si vous avez fait comme moi, si vous avez suivi mon conseil, c'est-à-dire de wishlist, vous voyez, 39 items, j'en ai. À droite, bah c'est pas mal, et vous voyez, donc je reviens sur un petit peu tout ce qui est paradoxe. Vous pouvez récupérer des DLC cool pour Europa Universalis, pour des bouchées de pain, hein, c'est ça que je veux dire. Le Tropico qui est free, et une deuxième information, à partir du 14 septembre, je vais vous le montrer ici, vous avez The Crew en version PC qui est gratuite, donc à partir du 14, s'il vous plaît, c'est le moment de récupérer ce jeu qui est, voilà, alors pas génial, mais qui peut être sympa. À récupérer, et je vous conseille vivement de récupérer, c'est toujours un bon plan. Donc je le tweeterai, là j'ai tweeté juste Fallout 4, Tropico 4 et les soldes, et on se retrouve voilà, pour d'autres choses. Alors il y a différents bundles, hein, je vous ai dit Calypso, Bandai Namco si vous aimez les choses, Bethesda aussi, voilà, vous pouvez vraiment faire le plein de Fallout mais aussi de DLC,
Ouais, je le dis quand même. Je suis pas mal occupé en ce moment puisque c'est la reprise. Voilà, je m'adapte un petit peu. Il y a Dishonored, hein, les Dishonored aussi qui sont en solde, les DLC. Donc je suis désolé si je suis un peu moyen dans le timing des trucs, mais c'est parce qu'il faut que je m'adapte. Bah, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager la vidéo et on se retrouve tout bientôt pour d'autres aventures et pour des bons plans, j'espère. Tchou tchou, prenez soin de vous les amis.